Nous sommes aujourd'hui le vendredi saint, le jour où notre Sauveur est mort pour nous. C'est le seul jour de l'année où le centre de la liturgie de l'Église et son point culminant n'est pas l'Eucharistie, mais la croix. L'Église entière se tourne vers la croix pour contempler et adorer son Sauveur qui y meurt. Notre célébration comportera trois parties. Il n'y aura pas de signe de croix pour introduire. La première partie est la liturgie de la parole qui se termine par la grande prière universelle. La deuxième partie est l'adoration de la Sainte Croix. La croix voilée sera présentée et dévoilée. Nous l'adorerons en silence. La troisième partie est la Sainte Communion. Nous réciterons le Notre Père et nous communierons aux hosties consacrées hier. À la fin, après la prière de bénédiction, chacun pourra se retirer en silence après avoir fait une génuflexion à la croix. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile. De même, que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons maintenant nous asseoir pour nous laisser nourrir par la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude, ayant été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé.
Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort par les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toute chose à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Et conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas,
Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisissent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Or, Simon Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ? Il répondit : Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : C'est ainsi
que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ?» Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : Crucifie-le ! Crucifie-le ! Pilate leur dit : Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent : Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus : D'où es-tu ? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors : Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier : Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabbata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Alors ils crièrent : À mort, à mort. Pilate leur dit : Vais-je crucifier votre roi ? Les grands prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit : Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : N'écris pas roi des Juifs, mais César m'a dit : Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit : Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture : Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement.
C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture : aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié,
Il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes que l'Église nous a donné d'écouter contiennent certaines insistances. J'en ai choisi deux pour éclairer et accompagner notre méditation. J'ai choisi le thème de la souffrance et celui de l'accomplissement de l'Écriture. La souffrance parcourt tous les textes de la liturgie de ce jour. La première lecture parle du serviteur défiguré, méprisé, abandonné, qui ne ressemblait plus à un homme. Isaïe l'appelle homme de douleur, familier de la souffrance. Le psaume responsorial nous présente aussi un homme déchiré par la souffrance qui décrit ce qu'il vit. Il dit : Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. La deuxième lecture nous parle aussi de souffrance. Elle dit que Jésus a supplié son Père avec un grand cri et dans les larmes. L'Évangile est le récit même de cette souffrance du Christ. Il a été trahi et renié par ses amis. Il a été ligoté et flagellé par les soldats et les gardes. Il a été condamné et tué. Frères et sœurs, lorsqu'on fait l'expérience de la souffrance, on remet tout en question. La vie, la foi en Dieu et parfois même sa propre existence. Mon intention n'est pas d'apporter une explication au pourquoi de la souffrance. Sainte Thérèse de Lisieux, en proie à d'atroces souffrances, exclamait : C'est facile d'écrire de belles choses sur la souffrance, mais d'écrire ce n'est rien. Il faut y être pour savoir. Et plus proche de nous, atteint d'un cancer et en phase terminale, le cardinal Veuillot, archevêque de Paris, disait « Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même, j'en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n'en rien dire. Nous ignorons ce qu'elle est et j'en ai pleuré. » Je ne voudrais donc pas faire un discours sur la souffrance. La meilleure façon de parler de la souffrance, c'est de se taire et de prier. Et c'est à cela que je voudrais nous convier en ce grand jour du Vendredi Saint. Profitons de ces heures de recueillement pour prier pour tous ceux et celles qui souffrent, pour les malades, pour ceux qui se voient mourants, laissant des enfants en bas âge, pour les parents qui voient leurs enfants en qui la vie s'éteint progressivement. Portons dans la prière les injustices de nos sociétés. À trois reprises dans l'Évangile, Pilate disait aux Juifs qu'ils ne trouvent en Jésus aucun motif de condamnation. Pourtant, il va le condamner et le laisser mourir. Il y a aussi les guerres, les misères, les catastrophes naturelles et toutes les souffrances individuelles. C'est tout cela que je nous invite à porter dans la prière.
Isaïe affirme au sujet du serviteur souffrant dans la première lecture que le châtiment qui donne la paix a pesé sur lui et que par ses blessures, nous sommes guéris. Demandons cette paix et cette guérison pour tous ceux et toutes celles qui souffrent. Demandons également pour eux la force de pouvoir continuer à dire comme le psalmiste, « Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi. » Le second thème sur lequel je nous propose de méditer est celui de l'accomplissement de l'Écriture. En raison de la grande importance que l'évangéliste lui accorde dans le récit de la Passion. D'abord à Gethsémani, au moment où les soldats et les gardes voulaient l'arrêter, Jésus leur demande de laisser partir ses disciples. Et Saint Jean ajoute que c'est afin que soit accomplie la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Jean 18, 9. Ensuite, lorsque chez Pilate, les Juifs vociféraient pour réclamer que Jésus soit condamné, Jean précise qu'ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Jean 18, 32. De même, lorsque les soldats se partageaient les habits de Jésus, Jean signale encore que c'est la parole de l'Écriture qui s'accomplissait ainsi. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Jean 19, 24. Et même au moment où Jésus demandait à boire, Jean commente que c'est pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout. Jean 19, 28. Les tout derniers mots que Jean recueille sur les lèvres de Jésus avant sa mort étaient « Tout est accompli ». C'est comme si toutes les paroles de l'Écriture étaient une liste de courses que Jésus devait accomplir avant de mourir. Enfin, parce que justement, Jésus a employé toute sa vie pour accomplir la parole de Dieu, même après sa mort, cette parole continuait de s'accomplir en lui. C'est ainsi que, comme le fait encore remarquer l'évangéliste, après sa mort, les soldats ne lui ont pas brisé les os comme aux deux autres crucifiés, mais ils lui ont percé le côté pour que s'accomplissent deux autres passages de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Jean 19, 36 et 37. Frères et sœurs, je voudrais nous inviter aussi à faire de ce grand jour de silence et de recueillement le moment de laisser s'accomplir la parole de Dieu en nous. Il ne s'agira pas de suivre à la lettre ce qu'il y a dans l'Écriture. Ce qui est écrit pour Jésus n'est pas forcément écrit pour nous. D'ailleurs, Jésus lui-même donne un exemple pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un accomplissement à la lettre. En Matthieu 5, 39, il disait « Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. » Pourtant, nous l'avons entendu lorsque, chez le grand prêtre Anne, un des gardes lui a asséné une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. » Il n'a pas tendu l'autre joue. Il a plutôt répliqué « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Sa façon de tendre l'autre joue a été d'amener de manière pacifique ce soldat à se remettre en cause et à comprendre qu'il a été inutilement et injustement violent.
laisser la parole s'accomplir en nous, ce sera lui donner nos espaces de liberté, ce que nous refusons encore à Dieu. Ce sera lui donner nos résistances, nos volontés un peu trop carrées, nos personnalités trop raides, pour qu'il les remodèle au rythme de sa parole, pour que désormais Dieu soit tout en nous. Amen. Thank you.
Nous allons maintenant passer à l'adoration de la croix de notre Seigneur. La croix voilée sera présentée et dévoilée. Cela sera scandé par un refrain dans lequel nous chanterons notre adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, nous nous avancerons en procession pour lui rendre hommage, soit par une simple génuflexion, soit en l'embrassant. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, thank you.
nous avons adoré la Sainte Croix. Nous avons remercié le Seigneur pour le salut qu'il nous a obtenu. Maintenant, à travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a parlé. Il nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. Nous prenons la parole. Nous prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l'humanité entière dans notre prière. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, en particulier en Ukraine, en Palestine et en Israël, en Éthiopie, en Irak, au Liban, au Nigeria, dans tous les pays musulmans. Qu'il accorde aux chrétiens de l'Est de l'Europe et du Moyen-Orient de vivre dans la foi et l'espérance jusque sur les routes de l'exil et dans la guerre. Et qu'il nous donne de vivre en solidarité avec eux tous, pour que nous rendions grâce à notre Dieu chaque jour de notre vie. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François. Choisi par Dieu pour présider à la charité entre les églises répandues dans le monde. Qu'il lui donne la santé pour mener à bien son ministère, la vigilance intérieure et le discernement selon l'Esprit de Dieu pour réconforter tous ses frères chrétiens, pour mener à bien les réformes dans l'Église et le synode sur la synodalité, pour gouverner le peuple saint de Dieu. Organise toutes choses. Écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sur la conduite suprême du pontife, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Éric et son auxiliaire Étienne, pour tous les évêques de notre pays, pour notre diocèse et pour tous les diocèses en attente d'un évêque, pour tous les prêtres, tous les diacres, pour tous ceux qui sont engagés dans les espaces missionnaires, pour l'équipe de notre espace avec les pères Jacques-Aimé, Bernard et Rémi, avec les diacres Alain et Christian,
avec Armel et Marie-Joseph et tous les laïcs engagés dans la pastorale et ceux qui donnent de leur temps et de leurs compétences au service de l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifié gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes qui seront baptisés lors de la vigile de Pentecôte dans le monde entier, et en particulier dans notre diocèse. Prions pour... Pour Elora, Ilona, Océane, Romain, Maxime, Alison, Kelly, Jordan, Mathieu, Pauline, Jennifer, Léane, Émilie, Marion, Safia, Miguel, Virginie, Raphaël, Hélène, Clara, Loïc, Claire, Lila, Célia, Mathieu, Clotilde, Mathis, Kinsey, Steven, Tiffany, Camille, Océane, Yaoyan, Jessica, Jason, Cassandra, Ludovic, Dylan, Jean-Marie, Pierre, Tibistu Julie, Elie, Martha Naïma, Tom, Benjamin, Margot, Charlotte, Kevin, Sacha, Ludovic, Sandra, Smile, Dédé Marie, Laurette, Luce Carmen, Léa, Lauriane, Audrey, Sophie, Benamour Emmanuel, Alexandre, Andrea, Valentin, Vincent, Jessica, Alexandre, Victor, Ève, Xavier, Théo, Julia de Reims et Zoé de notre espace missionnaire. Et pour Nina, Stacy, Charme, Sonia et Guillaume du diocèse de Rouen. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ, pour la communauté protestante de Reims et le pasteur Pascal Geoffroy, pour toutes les communautés chrétiennes qui célèbrent en ces jours la Pâque du Seigneur et les chrétiens d'Orient. Demandons au Seigneur de nous donner aux uns et aux autres
de mettre toutes nos énergies à œuvrer pour l'unité de l'Église, signe du salut pour tous les peuples. Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux que même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, pour le grand rabbin Haïm Korsia et toute la communauté juive de notre pays, pour les familles meurtries par l'antisémitisme ici et à travers le monde, et pour ceux qui œuvrent au nom de leur foi juive pour la paix, particulièrement chez nous et en Israël. Que tous progressent dans l'amour de Dieu et la fidélité à son alliance. Écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, pour nos frères et sœurs musulmans qui vivent selon la droiture de leur foi, pour les imams qui invitent au dialogue et au respect de tous, en particulier en France et en Europe, pour tous ceux qui participent au dialogue interreligieux pour la paix, et prions pour les terroristes qui défigurent l'islam. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables de s'engager pleinement sur le chemin du salut. D'un cœur sincère afin de découvrir la vérité et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, en particulier pour les jeunes
et les adultes qui n'ont jamais entendu parler de lui. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître et découvrent qu'il est la source de l'amour. Et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des bonnes œuvres de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques, pour les élus de notre région et tous les décideurs économiques, pour l'ensemble des responsables européens, des responsables politiques qui œuvrent pour la santé en notre monde et pour la paix en Europe, particulièrement en Ukraine, en Arménie, pour la paix en Israël et en Palestine, en Birmanie, au Mali, en Éthiopie et dans tous les pays d'Afrique et du Proche et Moyen-Orient. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, et leur donne la persévérance dans leurs efforts pour la paix et la justice. Sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve. Qu'il soit la force des malades, le salut et la paix de ceux qui passent par la mort, qu'il soit la consolation de ceux qui sont dans le deuil, le réconfort de ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles ou d'abus de pouvoir, en particulier par des ministres de l'Église. Qu'il soit la force des soignants, l'intelligence des chercheurs, l'espérance de ceux qui sont en prison, qu'il soit la lumière de ceux qui cherchent du travail, l'ami de ceux qui sont loin de leur pays et sur les routes de l'exil, et qu'il nous rende proches de tous ceux qui souffrent auprès et au loin. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel.
auditeurs de RCF et nous les informons que toutes leurs intentions envoyées sur le site ont été imprimées, rassemblées dans une corbeille et en cet instant précis, elles sont en train d'être déposées devant la croix du Christ par un membre du personnel de la radio. Que Jésus qui a écouté et exaucé la supplication du bon larron sur la croix, écoute et exauce aussi chacune de vos demandes. Les sœurs, depuis leur monastère de Saint-Thierry, vous portent dans leurs offices. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance. Que tout c'est la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La troisième et dernière partie de notre célébration va commencer. C'est la Sainte Communion.
dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour recevoir le corps du Christ. Thank you.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Inclinez-vous pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous pouvons maintenant, dans le silence et le recueillement qui conviennent à ce jour, nous retirer après avoir fait la génuflexion devant la croix du Christ.